Pour cette deuxième rencontre, on est très heureux d'accueillir Christophe Aubertin, donc qui est architecte de l'agence Studio Lada. Alors Christophe Aubertin, ben, il est diplômé de l'ENSA de Nancy. Il a également un DESS en matériaux bois et mise en œuvre dans la construction de l'ENSTIB. Et il est aussi donc membre fondateur du Studio Lada depuis 2009. Alors, il a reçu également le premier prix régional de la construction bois pour un logement individuel à Baccarat, puis le premier prix des trophées Habitat et bois pour l'abri de la tourbière de Bertrichan. Et il a de nombreux projets à son actif et de réalisations en cours, comme par exemple le gymnase Jean Lamour à Nancy, le marché couvert de Saint-Dizier, la halle du parc touristique et de loisirs des Fénotes, l'office de tourisme de Pléfin. Je ne vais pas tous les citer. La question qu'on peut se poser, c'est en fait pourquoi choisir d'inviter Christophe Aubertin? Alors, on a eu quatre motivations, mais je pense qu'à la fin de la rencontre, on aura beaucoup plus de motivation que ça. La première, c'est pour lui donner la parole, pour qu'il nous expose ses projets, mais aussi pour qu'on puisse découvrir sa démarche, ses positions, ses questionnements, ses engagements aussi, qui finalement motivent ses choix de concepteur. Afin que chacun d'entre nous, que ce soit les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les professionnels, finalement, pour que tous on puisse mesurer les liens entre le projet, la réalisation et la démarche. Et finalement, prendre la mesure aussi du projet comme production. Donc projet démarche et projet production. Et ce qui nous intéresse dans l'atelier, ce sont ces deux définitions du terme projet. Pour nous, elles sont indissociables et elles sont clairement identifiées. Et elles font de toutes les deux notre démarche pédagogique. La deuxième motivation, en fait, c'est pour pouvoir échanger autour de thématiques qui structurent notre démarche d'atelier. Et finalement, pour comprendre en quoi les engagements d'un architecte, Christophe Aubertin, sont vecteurs d'une recherche d'écriture architecturale. Comment sa pratique d'agence influence ses projets. Comment considère-t-il l'évolution des pratiques d'agence à venir? Parce que derrière tous les projets, il y a aussi un projet de société. La troisième motivation, c'est parce que c'est donc dans le cadre de notre atelier que s'inscrit cette invitation. Et notre atelier se déploie dans les territoires ruraux comme d'autres, ruraux et périurbains, mais en tout cas, nous, ce sont les territoires ruraux varois. Et dans ce cadre-là, on fait le choix d'emmener les étudiants à la rencontre de ces territoires, à la fois les lieux et les dynamiques, à la fois les habitants et les décideurs, les artisans et les savoir-faire, les milieux et les ressources. Et finalement, on s'interroge sur les manières d'habiter et de construire. Donc, on est sur des questions d'architecture locale et généralement, ces architectures locales, elles vont se situer entre un savoir-faire que je qualifierais de vernaculaire tiré patrimonialisé, qui n'est plus souvent qu'un décor qui est réactivé par de riches maîtres d'ouvrage quand ils ont les moyens. Et puis de l'autre côté, on a des conflits d'association entre un artisanat local et puis des matériaux importés et des techniques standardisées. Et finalement, on se retrouve avec une banalité constructive et pas de prospective pour l'avenir, à savoir comment on peut habiter et comment on peut construire. Et puis, il y a aussi cette question de la dépendance à l'économie globale. Et pour nous, le travail de Christophe Aubertin, c'est comme un repère qui finalement nous invite
à imaginer construire autrement que dans ce conflit qu'on vient de décrire et transformer en fait tous ces conflits en opportunités architecturales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour qu'il y ait cette transformation, il faut qu'il y ait engagement. Et c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est comment finalement imaginer d'autres manières de concevoir qui revendiquent d'être locales et créatives. Alors, on ne se trompe pas, être un architecte local n'est pas notre sujet. Se revendiquer propriétaire de ce qui caractérise un territoire non plus. Pas davantage que d'interdire l'accès au territoire ou de s'élever contre l'étranger, non. Qu'est-ce que c'est faire des projets locaux finalement? D'après nous, pour Christophe Aubertin, c'est apporter au territoire. C'est construire avec les territoires. Construire pour. Et c'est finalement depuis le choix des matériaux, des principes de structure, de mise en œuvre, jusqu'aux dispositifs spatiaux. Cette recherche, finalement, constitue des manières d'habiter. Et des manières d'habiter, peut-être un des mots-clés serait le terme de synergie, comme une synergie, mais qui est toujours dans la prospective. Et cette attention à la synergie, au commun, au partage, c'est aussi ce qui peut marquer un territoire. De l'attention au territoire à savoir ce qu'on va faire avec ce territoire. Voilà toutes les motivations pour lesquelles nous avons souhaité rencontrer et donner la parole à Christophe Aubertin. Donc, avant de l'écouter très attentivement et surtout avec grand plaisir, toute notre équipe pédagogique, donc, qui est composée d'Ivan Plusquoi, d'Olivier Gaujard, de Mathias Cambrelin, de Jordan Skroupak et de moi-même, on souhaite remercier Wilfried Jobert pour son soutien. Le directeur du CAUE 83. On a salué le directeur du CAUE 54. Voilà. Et puis, je souhaite aussi remercier vivement Marion et Johan pour leur soutien à l'organisation technique de la rencontre que nous qualifions désormais de Zoomesque. Et si vous le souhaitez, vous pourrez écrire vos questions dans le chat. Et puis, nous, on fera une synthèse. Voilà, la présentation va durer à peu près une cinquantaine de minutes et puis après on pourra passer aux échanges. Donc je laisse la parole et l'écran à Christophe Aubertin. Merci. Bonjour, bonjour, merci Florence pour cette présentation qui me convient bien. Merci. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi aussi d'avoir la parole. Comme tu dis, Florence, c'est vrai que c'est pas si souvent que ça finalement qu'on nous propose de parler de notre travail et de prendre le temps de le présenter. Donc voilà, j'ai pris un peu le temps de préparer cette intervention et d'échanger sur tous ces sujets, voilà. Et je salue aussi ceux qui sont ici et que je connais un peu. J'ai vu Olivier Gaujard, Meryl, Sinéus, Nadège, Marc. Donc voilà. Je vais commencer par partager mon écran. Tac. Alors j'ai voulu, dans un premier temps, commencer par un petit point pour déjà un petit propos introductif. Donc déjà, moi, je suis Christophe Aubertin. J'ai 40 ans, 41 ans. Je fais partie du collectif Studio Lada. Donc Studio Lada, c'est un collectif de 6 architectes installés à Nancy. Xavier Géant, Éléonore Nicolas, Agnès Ozermann, Benoît Zint, moi-même et Aurélie Husson. Voilà, donc on était tous les 6 dans la même promo. À Nancy, à l'école d'architecture de Nancy. On est sorti entre 2004 et 2006. Et ensuite, en 2008-2009, on a commencé à travailler ensemble. Et en 2010-2011, on était constitués tous les 6. Donc, on travaille avec une équipe d'architectes, de jeunes architectes. On a aujourd'hui 7 jeunes architectes qui travaillent avec nous. Et on a un local au centre-ville de Nancy. Voilà.
Là, j'ai mis un petit article, enfin en fond, c'est un article, un portrait qu'avait fait de nous DA il y a quelques années et qui nous avait qualifié de collectif au service du territoire. Donc, c'est des choses dont on va parler là. On voit aussi la photo des maquettes, car on travaille beaucoup aussi en maquette nos projets. Notre collectif, alors ce n'est pas une agence, ce n'est pas non plus vraiment un collectif comme certains pourraient l'entendre, collectif un peu touche à tout. Donc on est un collectif, mais on fonctionne un peu comme une agence, sauf qu'on reste indépendant et on organise des binômes ou des fois des trinômes pour répondre à des projets, aux plus gros projets. Et il y a aussi des projets qu'on fait individuellement. Mais sur chaque projet, même en binôme, il y a toujours un mandataire et un associé. Et on donne toujours le rôle au mandataire d'orchestrer les décisions de chaque projet. Donc ça, c'est un peu notre manière de travailler. Et donc l'idée, c'est de constituer une culture commune, une culture critique entre nous six et de travailler de cette manière, mais en laissant la place aux individus, comme je le disais. Alors nous, nous sommes donc à Nancy, c'est ce petit point blanc ici, et Nancy, c'est exactement au milieu de la Lorraine. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, parce que nous, on travaille essentiellement sur la Lorraine. Alors la Lorraine a été détrônée par la région Grand Est maintenant, hein, qui fait un territoire plus grand, mais j'avoue qu'on est quand même beaucoup plus connaisseurs et familiers avec ces quatre départements. Moi-même, je suis des Vosges, je suis d'ici, proche d'Épinal. Toute ma famille vient de cette zone-là, famille paysanne, très implantée dans les villages. Et donc, les études à Nancy, et donc on est resté, maintenant je vis à Nancy. Je travaille quand même personnellement beaucoup dans les Vosges et aussi dans ces trois autres départements, mais avec une affinité particulière pour les Vosges. Et certains de mes collègues viennent de Moselle, par exemple, donc d'autres viennent de Marne, et donc on est maintenant implanté ici. Et donc ce territoire, donc vous voyez, on a 95% de nos projets qui se situent dans ce territoire, et donc petit à petit, ça nous permet de le connaître, de le découvrir, et de voir un petit peu ses ressources et ses données. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour chacun des projets, qu'on soit en Meuse, en territoire de pierre, de calcaire, ou dans les Vosges, en territoire forestier, ou en Moselle, avec du patrimoine industriel, la sidérurgie, ou ici dans la plaine des Vosges. Enfin, on pense qu'on aime ça, on aime puiser dans chacun, dans les nuances de chaque territoire, chaque lieu, pour puiser des pistes de projet et des informations pour le projet. Ça, c'est une autre carte que j'avais trouvée un jour et que je trouve intéressante. Alors, la Lorraine, ici, elle se trouverait à cet endroit-là. En gros, Nancy se trouve au milieu. Et ici, on retrouve sur cette vieille carte qui doit dater des années 60, on retrouve des informations propres aux questions géographiques et agricoles et aussi les ressources des minerais, par exemple. Parce que là, on voit les industries liées au sol, on voit l'agriculture, mais on voit aussi des choses de notre patrimoine, comme le textile ici, comme la sidérurgie vers ici avec les volants noirs, et on voit aussi l'industrie du bois à certains endroits, et donc ça c'est un petit peu aussi notre culture, même si ces industries, hein, le textile et la sidérurgie existent très peu, mais on a quand même une culture autour de tout ça et aussi un patrimoine à rénover, donc des données importantes à connaître. D'ailleurs, dans notre collectif, on a différentes compétences, notamment Aurélie qui est architecte du patrimoine et Agnès qui est architecte urbaniste engagée sur les questions de territoire. Donc ça, c'est pour continuer sur les cartes. Ça, c'est une carte qui montre aussi les ressources en pierre en France. Donc nous, la Lorraine, c'est pas forcément identifié comme un territoire de pierre, hein, beaucoup moins que le sud de la France, par exemple, ici. Mais nous sommes là et on voit quand même qu'ici, on a plusieurs taches colorées. On a du calcaire beige, blanc. On a du calcaire jaune à Jaumont. On a aussi du grès rose et du granit. Donc, nous, on est ici.
Et c'est vrai que notre patrimoine en Lorraine, ben, comme beaucoup d'endroits en France, il est énormément construit en pierre, en moellon ou en pierre de taille. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu notre patrimoine. Comme d'autres, par exemple dans l'Isère, ont une culture, un patrimoine autour de la terre crue, du pisé, de la bauche par ici. Enfin voilà, il existe des pierres et des nuances comme ça en France qui nous intéressent beaucoup. Donc nous, on a plusieurs projets en pierre à notre actif. Maintenant, on en a 4-5. Hein. Ce n'est pas non plus la majorité de nos projets. Hein. On s'y attelle petit à petit. Mais là, j'avais remis une carte de la Lorraine. Et on voit que, par exemple, l'Office de tourisme de Plainfin ici avait puisé sa ressource de la carrière de Champenay qui se trouve ici. Ici, on est dans la zone de calcaire de Meuse, la pierre de Heuville, de Savonnières. Donc ici, on a trois bâtiments, Voie-Vacon, Vaucouleur et le marché de Saint-Dizier qui puisent leur pierre dans ces calcaires ici. Et ensuite, on a aussi un autre projet qu'avait mené Benoît sur la pierre de Jaumont. Il avait fait des petits vestiaires de foot avec la pierre de Jaumont qui est beaucoup plus jaune et qui est une pierre typique du nord de Metz. Et donc ensuite, en bas, on voit les typologies. Là, j'avais remis uniquement le volume des pierres utilisées pour chacun de ces bâtiments. Des fois massifs, 60 cm d'épaisseur, et des fois des plaques pelliculaires de 4 cm d'épaisseur. Ça, c'est ce que je vais expliquer après. Parmi les influences aussi, alors c'est plutôt récent, mais je m'intéresse de plus en plus aux propos autour du biorégionalisme ou des territorialistes. J'ai l'occasion de côtoyer Mathias de plus en plus à Nancy, à l'école d'architecture, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants et qui peuvent donner une approche théorique à ce qu'on fait, nous, de manière assez instinctive depuis des années. Mais voilà, on échange sur ces sujets. Mathias avait écrit notamment un article pour les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, où il essayait de juger si mon architecture pouvait être classée biorégionaliste, selon les critères que lui étudie, et lui s'intéresse beaucoup aux critères des Californiens des années 70. Et donc la question, c'est est-ce que notre petite pratique là en Lorraine aujourd'hui, elle pourrait être qualifiée de biorégionaliste? Et ça, c'est des discussions qu'on a qui sont intéressantes. Et donc dans cet article qui va bientôt paraître, Mathias, il avait relevé des choses que j'avais écrites, que j'avais dit. Donc, je trouve intéressant de dire ces quelques phrases parce que je pense que c'est dans le sujet. Donc, j'avais écrit sur ces projets, j'avais dit « Il faut proposer des alternatives aux matériaux industrialisés, soutenir et pérenniser les scieries, les carrières, les forestiers, les tuileries, les menuiseries qui jonchent nos territoires ruraux. Un chantier ne se limite pas aux entreprises qui assemblent des composants. Nous devons considérer l'ensemble du process de production car le bâtiment représente une économie considérable et peut procurer une multitude d'emplois qui font sens. Chaque chantier doit s'adresser à son territoire. Il ne s'agit pas de développer des solutions technologiques, il s'agit peut-être du contraire, simplifier les exigences pour redonner de la place aux ressources locales, matérielles et humaines. L'architecture doit être pensée d'une part en termes de process, pour que sa production construise une nouvelle activité vertueuse pour le territoire, et d'autre part en termes de résultats pour que l'usage et l'image des réalisations participent à l'amélioration du cadre de vie. Voilà, donc à travers tout ça, on voit aussi que je m'intéresse pas mal aux emplois et à la main-d'œuvre et aux techniques qui sont véhiculées par le bâtiment, par la construction. Peut-être que je donne trop d'importance à tout ça, parce que sur la masse d'emplois qui existe sur un territoire, c'est finalement assez peu. Mais je pense que le bâtiment, au même titre que l'agriculture ou d'autres domaines, sont des activités essentielles, des besoins essentiels, et qui peuvent créer des emplois, et beaucoup plus d'emplois et de travail intéressants que ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Bon, je continue avec aussi cette implication dans le mouvement pour la frugalité heureuse et créative qui a commencé en mai 2019 avec donc les premières rencontres nationales. Donc, on s'est motivé à quelques Nancéens, des architectes
voilà, avec qui on partage des valeurs, AA, Bagarre et Luron, milieu. Et donc, nous sommes allés à ces rencontres à Lens, première rencontre de la frugalité heureuse et créative. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est basé sur le manifeste écrit par Alain Bornarel, Philippe Madec et Dominique Gauzin-Muller il y a 3 ans, donc un manifeste qui nous présente une vision de la transition écologique particulière, une vision frugale, sobre, peut-être décroissante, et une vision qui soit aussi heureuse et créative. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve assez inédit, hein, qui est un mouvement comme ça, qui réunissent nombre d'architectes et de gens qui travaillent sur le bâtiment, sur la construction, sur le territoire, le paysage, toutes les échelles de l'aménagement de l'espace. Donc, ce mouvement rassemble tous ces gens-là et ils s'organisent aussi sur le territoire par des groupes locaux. Et donc, nous, avec les amis avec qui on était allés à ces rencontres, on a créé un groupe local sur la Lorraine qui se trouve ici, donc c'est celui-ci. Et donc, on anime des rencontres, des petites rencontres qu'on organise simplement pour échanger entre nous. Donc ça, c'était, par exemple, on en a fait 4 des rencontres actuellement. Et ça, c'était il y a 2 ans où on était allé visiter des bâtiments. En gros, une demi-journée de visite et une demi-journée de petites conférences entre nous, débats sur des thèmes techniques qui peuvent concerner les uns et les autres. Et on échange et on met en commun nos recherches et on s'automotive les uns les autres. La frugalité heureuse et créative, c'est aussi une ouverture à une culture. C'était aussi l'organisation des conférences d'automne où j'ai beaucoup appris. Enfin, on est beaucoup à avoir beaucoup appris, je pense. Et aussi la rencontre avec Topophile. Topophile, c'est important parce que Martin Paco et Raphaël Pochitz, je pense qu'ils expriment et ils symbolisent la nouvelle génération d'architectes qui ont 10-15 ans de moins que moi, mais des architectes très engagés, très motivés, très cultivés et qui ont une vision, qui ont vraiment envie de changer les choses et y a beaucoup à échanger. Voilà. Avec la frugalité heureuse et créative, et à quelques-uns, enfin, c'est surtout moi qui avais porté ce projet, on a travaillé sur cet outil. C'est une carte des ressources du territoire lorrain. Donc, c'est une petite carte. Donc, ça, c'était des idées qui avaient justement germé à Lens lors des groupes de travail et des débats. On s'était dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter une approche frugale? Et on s'était dit qu'il faudrait qu'on connaisse mieux les ressources qui existent sur un territoire, mais de manière simple, c'est-à-dire les scieries, les carrières, les producteurs de matériaux autres, terre cuite, paille, comment on se fournit, à quel prix, faire ça, donner à lire tout ça de manière aussi simple qu'un catalogue IKEA pour permettre à chacun d'y accéder plus facilement. Et la carte des ressources, c'est aussi... Moi, je fais beaucoup l'analogie avec le milieu de l'agriculture ou de l'alimentation, où je trouve qu'il y a un temps d'avance dans ces domaines, où il y a une valorisation vraiment aujourd'hui de la culture authentique, de la culture propre et du bon produit local qui vient du village d'à côté et qui a été fait avec soin. Et je pense que c'est une image qu'on peut véhiculer de plus en plus et une accroche que j'utilise pour parler à mes clients, qu'ils soient privés ou publics, en leur donnant envie de faire un bâtiment avec de bons produits, de bons composants locaux. Et sachant aussi qu'on peut faire des choses très raffinées, très créatives avec ces ingrédients et voilà. Et alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui le tout venant est l'architecture conventionnelle, hein, pour faire référence à l'agriculture conventionnelle, elle a pris des travers assez assez forts. Donc que ce soit sur des questions de territoire ou des questions constructives, voilà aujourd'hui avec quoi on construit, hein, des matériaux bien industrialisés,
où il y a eu de nombreux intermédiaires pour la vente, pour la production. Et on va chercher ça dans des plateformes de vente et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que ça vaut. Et voilà, ici, qu'est-ce qu'on a de matériaux naturels? On a éventuellement ces petites planches de bois qui doivent venir d'Europe de l'Est et qui ont certainement été traitées beaucoup plus que ce qu'on aurait besoin. Et voilà aujourd'hui avec quoi on construit. Et donc, au contraire, on préfère s'intéresser à l'architecture vernaculaire. Hein. Ça, c'est vraiment le vernaculaire, c'est une vraie source d'inspiration et de compréhension. Ça, c'est le vernaculaire des Hautes-Vosges, par exemple, avec de grosses fermes implantées sur le territoire, avec des annexes, souvent des petits bâtiments annexes. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on va pas refaire le vernaculaire rustique du passé, mais je pense que nous avons à réinventer un nouveau vernaculaire contemporain avec d'autres besoins parce qu'on habite différemment, on travaille différemment, mais il y a des choses qui reviendront du passé et il y a aussi de nouvelles techniques à inventer, comme par exemple l'isolation paille, la terre crue, le béton de champ. Enfin, il y a des techniques comme ça qui vont apparaître, et qui vont compléter d'autres sources. Donc là, voilà la fameuse carte des ressources de Lorraine. Donc, on a travaillé ça beaucoup avec deux stagiaires qui étaient à l'agence, Benjamin Mougel et Mélanie Robineau. Et donc, on a fait un recensement comme ça des carrières. Donc, on s'aperçoit que chez nous, il y a quand même une quinzaine de carrières. Donc, on les a distinguées par type, calcaire, jaumont, granit et grès. Voilà, il y a aussi les scieries. Donc là, on a beaucoup de ressources en bois, résineux, feuillus, mixtes. Donc à chaque fois, elles sont positionnées sur le territoire. La terre, donc c'est de la terre cuite. Il reste quelques artisans qui font de la terre cuite. Il y en a quelques-uns qui se mettent à la terre crue. Et on a quelques-uns qui commencent à émerger sur les fibres et sur la paille. Voilà, donc ça permet cet outil de se dire, ben voilà, j'ai un chantier qui se trouve ici, par exemple, j'ai envie de travailler avec les ressources locales. Donc ici, je peux avoir accès facilement à ces entreprises, à ces fournisseurs. Et donc, pour compléter la carte, on travaille, il n'est pas terminé, mais on travaille sur le catalogue qui présente chacun de ces fournisseurs. Donc à chaque fois, on met des photos de la carrière, on resitue sur la carte, on met les fiches contact, un petit texte pour comprendre quand même l'histoire et la particularité de ce fournisseur. Et ensuite, on parle des produits parce que voilà, chaque fournisseur fabrique des éléments particuliers, par exemple des plaques de pierre pelliculaire ou des pavés ou de la pierre de taille. Et donc, ça nous permet de savoir ce qu'on peut trouver chez tel fournisseur. Donc là, c'est le grès rose du côté alsacien. C'est le grès que j'avais utilisé pour l'office de tourisme de Plainfin. Là, on est dans une scierie, donc on a fait le petit code couleur, on a fait des choses comme ça. Donc cette carte des ressources, on va la mettre cette semaine là. Je la mets en ligne sur un serveur avec un lien de téléchargement. Bien sûr, c'est en open source, hein, c'est pour chacun et elle n'est pas terminée. Mais l'idée, c'est d'en faire un outil évolutif, collaboratif. Donc l'idée, c'est que ceux qui s'en servent, enfin, surtout en Lorraine, puissent faire remonter des remarques, des modifications, des compléments, et nous ensuite, on va la faire évoluer. Voilà. Est-ce qu'on peut fabriquer un outil comme ça qui servira à chacun, que ce soit des architectes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des prescripteurs. Voilà. Donc, scierie de feuillus, la Tuilerie. Et là, en prenant contact avec eux, ben, on redécouvre qu'il y a des gars qui fabriquent de la tomate, de la tuile, de la petite tuile plate. Et donc, ça donne des envies, ça donne des idées. Voilà, la terre crue, parce qu'il y a une entreprise qui se met à fabriquer un peu de terre crue à Nancy, et la paille, voilà. On identifie aussi que, par exemple, la paille, on n'a qu'un seul paysan fournisseur de bottes de paille calibrées en Moselle, et donc on a envie d'inciter, suite à ça, d'inciter d'autres paysans. Voilà, ils se trouvent ici, là, mais on a besoin de paille un peu partout. Donc là, ce serait peut-être le point de départ pour inciter différents paysans dans chaque département à fournir des bottes de paille calibrées
Et nous, on pourrait les faire connaître et faciliter pour nos projets donc l'accès à ces bottes de paille à des prix donnés, à des prix fixes et avec avec une facilité d'usage. Donc voilà pour cette introduction. Et donc maintenant, je vais présenter des projets. Alors, j'en ai mis beaucoup et j'aurai pas le temps de. Enfin, je vais les passer assez rapidement, mais ça permet de voir aussi comment on essaye d'appliquer ça dans les projets depuis une paire d'années. Voilà, sachant que je pense aussi qu'un petit projet vaut mieux qu'un grand discours et que c'est avec des démarches de projet et des images de projet qu'on peut véhiculer des idées assez fortes. Donc ça, c'était personnellement mon premier bâtiment neuf, hein, une chance, un premier appel d'offres public remporté avec d'ailleurs BMT Architectes, qui étaient mes anciens patrons qui nous avaient donc épaulés sur cet appel d'offres parce qu'on venait de s'installer. Et donc, on avait eu la possibilité de construire une maison médicale qui se trouve dans la Meuse. Donc dans la Meuse, c'est territoire de calcaire, là on a le village. Et dans le village, tout est construit avec de la pierre de taille ou du moellon de calcaire de Meuse, de Savonnières ou de ville. Et la maison médicale, elle se trouve ici. Et donc là, dans la zone, à proximité, dans une zone un peu comment dire, commerciale, sportive, proximité de la voie rapide, donc c'est pas non plus le cœur de village. Mais ce n'est pas grave. On a souhaité quand même faire au mieux et mettre du beau matériau. Et donc, on a travaillé un bâtiment sur ce plan, donc une circulation et des locaux médicaux. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'était de travailler non pas sur des vues frontales, mais sur des ouvertures biaises des façades pour préserver l'intimité des locaux médicaux. Que quand quelqu'un marche à côté du bâtiment, il n'ait pas des vues en profondeur sur l'endroit où il y a le patient qui se trouve à moitié nu. Il y a aussi cette idée géométrique et constructive et plastique d'avoir un bâtiment où le plan et la coupe sont quasiment identiques avec ce système d'ouverture, hein. C'est un peu des systèmes de shed et on retrouve ces sheds qui se retournent en façade. Voilà. Et donc on a une circulation ici qu'on dilate un peu sur la partie centrale pour donner plus de respiration. Et là, l'idée, c'était d'avoir donc la pierre au centre, à l'intérieur, avec un grand mur de refend porteur et aussi un sol en pierre. Et ensuite, toute l'enveloppe extérieure se trouvait en ossature bois. Donc là, on comprend mieux sur cette vue avec donc la banque d'accueil et le grand mur porteur et ensuite les éléments constitutifs du bâtiment qui nous emmènent vers ce bâtiment avec sa forme singulière. Et ce bâtiment aussi, bien sûr, thermiquement, les sheds sont orientés plein sud, ce qui nous permet de profiter des apports solaires. On a des casquettes qui protègent du soleil et ça nous permet aussi de se fermer côté boulevard, côté voie rapide, pour se protéger du son qui vient là. Donc voilà, première expérience avec la pierre de Meuse, la pierre de Savonnières. On s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas les prix auxquels ont droit les gens du Sud, hein, notamment Gilles Perraudin. Quand on fait ça, bien sûr, nous, on connaît le travail de Gilles Perraudin, on est très admiratif et c'est lui qui nous donne envie de construire comme ça. On aurait aimé avoir un mur de 40 ou 50 cm avec des gros blocs de 2 mètres, mais on s'est aperçu que chez nous, on n'arrivait pas à avoir des prix corrects. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un mur de 22 cm, donc le minimum, ce qu'on avait besoin. Et donc, on est venu ensuite, de manière très simple, poser nos grandes poutres en bois sur ce mur en pierre calcaire. Et ce mur qui n'est pas armé, qui est juste un mur construit à l'ancienne avec une entreprise de compagnons, vraiment qui fait du monument historique et qui nous a vraiment épaulés et rassurés et qui a su convaincre le contrôleur technique de construire sans chaînage béton armé horizontaux ou verticaux. Donc voilà l'enveloppe bardage bois et voilà l'intérieur avec ce grand mur en pierre, avec ici un arc en plate-bande, ici le meuble d'accueil en pierre. Et ici au sol, ça c'est intéressant, ça fait partie des découvertes, on a mis une pierre de Bourgogne parce que la pierre de Meuse n'est pas assez solide pour aller en sol.
Mais on s'est rendu compte que cette pierre fournie posée, on l'a eue à 80 euros, donc ce qui est un prix très correct. Et c'est là où on s'est rendu compte que la pierre pelliculaire de Bourgogne ou autre, la pierre fine, pouvait être obtenue à des prix assez bas. Et donc ça nous a donné d'autres idées pour utiliser la pierre en pelliculaire pour d'autres projets par la suite. Ici, les locaux des médecins avec notamment du frêne. Ici, on voulait utiliser du chêne et c'est le menuisier qui nous a donc dirigé vers le frêne en nous affirmant qu'il y avait beaucoup de ressources en frêne en Meuse. Donc voilà pour ce premier projet sur lequel voilà, on a pu aussi, ça c'est important, sur les premiers projets, on a pu aller assez loin. Peut-être qu'on a eu vraiment un coup de chance, un maître d'ouvrage qui nous a fait confiance, qui nous a donné la possibilité d'aller loin, un budget correct. Et donc, cette maison médicale, ça a été vraiment un point de départ pour continuer dans cette voie. Un autre projet par la suite que j'avais mené seul en tant qu'architecte, enfin, avec Johan Saer, j'ai oublié de mentionner, qui était stagiaire à l'agence et qui ensuite avait travaillé avec moi sur ce projet, sur la phase d'études. Et donc, ça, c'est une commande pour une petite commune forestière en Meurthe-et-Moselle qui veut se faire un abri en forêt parce qu'il y a une tourbière où il y a des visites de scolaires et donc il faut un abri pour abriter les visiteurs. Et donc, on a souhaité faire un projet très singulier, très plastique avec une charpente. Ah oui, alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que moi, dans mon cursus, j'ai fait le master bois, le DESS bois à l'ENSTIB, et j'ai fait mon stage chez un certain Jacques Anglade. Jacques Anglade, qui est ingénieur structure bois, qui aujourd'hui a une activité d'architecte à l'atelier Nao. Mais donc, quand j'étais chez lui, c'était ingénieur structure bois. Et donc, c'est lui qui m'avait un peu donné goût et véhiculé beaucoup de valeurs sur le bois massif, sur la ressource, la filière, sur l'idée d'utiliser du bois peu transformé, sur la petite section. Lui, j'avais découvert ces charpentes avec des petites sections. J'avais trouvé ça très intéressant dans l'expression plastique et aussi dans cette manière d'utiliser du bois massif et du bois peu cher. Donc voilà cette charpente en planche pour l'abri de Bertrichan. Donc, il se base aussi sur une géométrie particulière, mais avec une conception très simple, méthodique, avec donc des décalages progressifs de ces planches, des entrées. En fait, on a les arbres à étriers ici qui restent fixes, et tout simplement, on décale l'entrée petit à petit. C'est une charpente dense, hein, chaque planche se touche les unes les autres, et donc on crée une parabole. J'ai pas les bons termes, mais on crée une parabole progressive qui nous donne cet aspect un peu organique. Mais donc, ce qui me plaît bien, c'est qu'une forme qui peut paraître sophistiquée, nous, on l'a réalisée très simplement. Donc, on a organisé nous-mêmes, hein, c'était en autoconstruction, on a organisé les ateliers. Donc là, c'était le premier module. Donc, on mettait les vis. Il y avait Nicolas Barthez, ingénieur structure bois aussi, qui était sur le coup, hein. Nicolas Barthez, tous les projets que je vous présente en bois, on les a fait ensemble. Hein, et il était au Master Bois avec moi. Et donc voilà, on est de la même génération et on partage les mêmes idées en tant qu'ingénieur et architecte. Donc voilà, on a fabriqué notre premier petit module, comme ça. Et donc des modules de ce type, on en avait 12. Donc on les a bien stockés, on a mis les ferrures et ensuite on a donc fait un levage avec les ouvriers municipaux et les bénévoles du village et on a mis en œuvre cette structure particulière et voilà quoi, on a ensuite mis la couverture et donc réalisé cet abri qui était un projet aussi fondateur pour moi, pour nous à l'agence qui véhicule plein d'idées qu'on porte, hein. C'est du bois qui vient de la forêt ici. On les a sciés avec une scierie mobile et donc on a mis en œuvre cette charpente qui a plein de petits défauts. C'est du bois non raboté, il y a plein d'irrégularités, mais c'est ce qui en fait aussi son charme, hein. On en parlait tout à l'heure avec Florence. Aussi, cette idée de patine et
la main, quoi, la main qui fabrique. Je trouve ça, on trouve ça très intéressant. Ça, c'est une autre structure du même type qu'on avait, on avait fabriqué peu de temps après pour faire un totem pour le forum bois construction. On avait fait le même principe, mais là, avec des planches que je trouvais presque trop propres. Et donc, je trouvais que ça perdait presque en rusticité et en sincérité, le fait que les planches soient un peu trop propres. Mais bon, bref, c'était aussi des expériences très intéressantes et qui permettent de pousser cette recherche structurelle et plastique. Voilà, ça, c'est aussi une thématique qui m'intéresse beaucoup, le lien entre la structure, l'ingénierie, la structure épurée, sans habillage, et faire de ces structures de base vraiment des œuvres et des choses très expressives. Là, un sujet tout à fait différent, c'est une petite maison individuelle à Baccara, dans le 54, où là, on est peut-être moins sur la ressource, mais on est sur cette idée de maison, alors là, vraiment à petit budget, des clients avec un petit budget, mais c'est vraiment ce qui m'a motivé et plu, c'était l'idée de faire une petite maison très, très performante économiquement et voilà, irréplicable. Réplicable, pas à l'identique, mais dans la méthode de conception et de fabrication. Donc, en s'appuyant sur une trame très forte, une trame de 1 mètre qui vient tout guider, et ensuite faire un bâtiment en structure bois avec un habillage en bac acier, et faire ce petit bâtiment où tout est mesuré dans les dimensions, les proportions, et où on a remplacé le placo par du bois, par des panneaux bois. Donc, pas de l'eau placo, pas de l'eau peinture, et une autre manière de construire, des petits voiles de béton encastrés ici, pour rapporter de l'inertie, ce petit escalier, enfin voilà, tout est dessiné de cette manière dans cette maison. Et cette maison, donc suite à cette réalisation, enfin sur laquelle on s'était vraiment engagé et toujours en se disant c'est intéressant, cette recherche on optimise et ça permettra de, comment dire, et on le partagera, on le communiquera à d'autres. Et donc on a fait un dossier en open source, on a mis tous les plans, tous les DCE, tous les détails techniques, les photos de chantier, les photos de ce bâtiment. Donc, on a fait un document qui fait une cinquantaine de pages. Et ce document, on le diffuse en open source à qui souhaite. Donc, il y a beaucoup de gens déjà qui en ont pris connaissance, des jeunes architectes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les prix. Il y a le prix de chaque poste, de chaque élément fourni posé pour chaque lot, et ça donne des bases. Je ne dis pas que c'est des prix fixes, hein, tous les prix évoluent, mais ça donne des bases pour aborder la maison simple en ossature bois, voilà, avec quand même de la ouate de cellulose, avec des bons composants. Et ça, c'est une autre maison sur le même modèle qu'on est en train de faire en ce moment. Donc là, on va bientôt attaquer le chantier, mais c'est la même démarche. C'est une maison bois aussi. Donc là, on continue et on va sur d'autres choses. Donc, il y a toujours cette trame, il y a un plan différent, une organisation différente. Et là, on est sur pilotis, donc sans béton. Il y a cette idée aussi d'explorer cette notion de construction réversible, c'est-à-dire on peut démolir cette maison dans 20 ans et on supprime les pieux. Et, donc aujourd'hui, c'est des pieux en acier, hein, des technopieux et non pas des pieux en bois. Mais on pourra les enlever et les recycler, et donc on laissera une prairie telle qu'on l'a trouvée. Et ici, donc, on est en bois et on est en paille, isolé en bottes de paille pour cette maison. Et il y a une autre recherche que je mène sur ce projet, c'est cette idée de supprimer au maximum les composants industriels, et c'est notamment les panneaux OSB, parce que j'en ai marre un peu de... qu'on soit esclave de ces composants bourrés de colle et produits industriels. Et donc, on contrevente très simplement la maison avec des planches posées en diagonale sur le l'ossature bois et qui viennent faire le voile travaillant extérieur. Donc, on a un lit de planches, de bois d'arbre, comme j'aime dire, de bois massif, rainures languettes, qui viennent en diagonale, contrevanter le bâtiment. Donc, on n'aura que du bois d'arbre dans cette maison, et c'est ce qui nous intéresse. Un autre projet donc, qui a été aussi important, c'est la maison de retraite de Vaucouleurs, enfin, l'extension de la maison de retraite de Vaucouleurs, que j'ai menée avec Éléonore Nicolas, donc, de l'agence, hein,
Donc là, on retourne dans la Meuse. On retourne dans la Meuse, on est à 10 km de Voies-Vacon, donc dans le territoire de Meuse. Donc la pierre. La pierre, le feuillu, les ressources forestières. Donc ça, c'est la maison de retraite existante. Et nous, on doit simplement faire une extension, une petite extension pour des salles d'activité pour les résidents. Donc on est là, on va couper des arbres. On a un fort dénivelé et on propose de poser le bâtiment comme ça. Un plan très simple. Ça aussi, c'est quelque chose que je revendique beaucoup. C'est une manière de simplifier les programmes, les plans. On passe beaucoup de temps au début, quand on a un programme, à le faire rentrer dans des cases très claires, très, très rigoureuses, très rationnelles, de manière à diminuer les investissements, les prix. Donc là, on a un mur porteur et deux façades porteuses et des petites salles le long d'un couloir, tout est régulier. Et ici, la petite folie volumétrique, c'est ici, c'est cette salle, la plus grande salle d'activité qui prend le grand volume et qui se termine par un balcon. Donc ça, c'est des choses qui permettent de faire des économies, en étant simple, sur une volumétrie, sur une organisation de plan. Et les économies qu'on fait, on peut les réinjecter dans des choses qui sont plus importantes pour nous, comme une belle structure et de bons matériaux. Et donc ici, la recherche par rapport à Voies-Vacon, on a voulu faire l'inverse, aussi parce que notre maître d'ouvrage nous a dit que le bois gris, le bois qui vieillit, il n'en voulait pas, il voulait absolument, il voulait pas de bois en extérieur. Donc on a proposé un bâtiment tout en bois, mais qui soit habillé en extérieur par des plaques de pierre pelliculaires, comme la pierre qu'on a mis au sol à Voies-Vacon, qui s'achète à 50 euros du mètre carré. Et donc c'était cette idée et ce défi. Peut-on mettre des plaques de pierre sur un bâtiment en bois, sachant que c'est un peu contre nature, puisque un bâtiment en bois, ça bouge, ça se dilate, ça bouge, et la pierre, ça ne peut pas supporter des dilatations, sinon la pierre, elle va casser. Et donc, il a fallu donc faire tout un travail de recherche pour permettre de trouver le bon compromis, la manière de tenir la pierre, de la serrer sur des cadres, de mettre des joints compribandes qui permettent d'accepter les dilatations et de mettre en œuvre de la pierre sur cette façade. Sachant qu'aujourd'hui, les seules techniques de pierre en habillage, c'est la pierre agrafée ou la pierre collée, et ces deux techniques ne sont valables que pour des bâtiments en béton et en maçonnerie. Et donc, si on veut pouvoir développer la construction bois, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait de donner plus de possibilités d'habillage et de finition sur les bâtiments bois. Donc voilà, donc là, on a été obligé de faire un ATEX sur ce bâtiment, qui était un petit projet. Donc on a mené notre ATEX avec Nicolas Barthez, hein, qui était vraiment très investi. Et donc on a développé toute cette étude avec la pierre de Meuse, la pierre locale, savonnière, sachant que ce n'était pas un cadeau parce que la pierre de Bourgogne aurait été beaucoup plus facile car elle est plus dure. La pierre de Savonnières, elle est assez tendre, mais on voulait la pierre locale. L'ATEX nous a imposé dans le document, donc c'est le CSTB hein, à Paris qui nous a demandé toute une série de questions et de points précis à renseigner. Et donc, on a dû faire des tests de résistance de nos plaques de pierre. Donc, on a aussi travaillé avec le laboratoire du CRIT à Épinal pour faire des tests de résistance de nos pierres à différents chocs, chocs poinçonnants, chocs lourds. Voilà, je vous passe les détails. Et donc, après de longs mois de travail, on a réussi, on a obtenu cet ATEX et on a pu mettre en œuvre cette pierre. Voilà. Cet ATEX a coûté quand même 10 à 15 000 euros sur un budget de bâtiment de 1 million d'euros environ. Et c'est aussi pour cette raison qu'on souhaite vraiment que cette recherche, elle n'en reste pas là. Et donc, un peu comme pour la maison à Baccarat, donc on communique et on déclare que notre ATEX, toute cette recherche technique, on est bien entendu très ouvert à la communiquer à d'autres confrères, d'autres architectes qui souhaiteraient poursuivre cette démarche ou utiliser une démarche similaire. Et donc, on est déjà en contact avec des architectes qui travaillent sur ce sujet. Il y a Mu Architecte à Paris qui nous avait contactés ou récemment White Rabbit Architect. Et ça, on trouve ça vraiment passionnant,
cette possibilité de collaborer avec d'autres et de faire, comment dire, de faire émerger un bien commun, de faire réémerger une culture constructive qui ne soit pas brevetée, qui soit commune, une culture du bien construire, sachant que aussi des techniques comme celle-ci, elles nous intéressent fortement parce qu'elles permettent de mettre en œuvre du bois extrêmement simple, hein, c'est du bois massif et de la pierre massive. Et donc, ça a toutes les qualités, selon nous, pour développer voilà, cette nouvelle manière de construire qui nous intéresse. Donc ça, c'est dans la grande salle aussi, une petite générosité aussi sur cette charpente qui est tramée tous les 60 cm comme la façade et qui vient s'ouvrir progressivement vers la vue, donc qui reprend un peu ce principe qu'on avait étudié pour Bertrichon, d'une autre manière. Un autre projet aussi très important, c'est toujours des petits projets. Hein. D'ailleurs, je pense aussi que les petits projets, c'est vraiment la bonne échelle pour innover. Je pense juste que 2-3 millions d'euros, c'est des échelles parfaites. Même si on peut être à 500 000 euros, alors on gagne moins bien notre vie hein, et on travaille à perte, on passe un temps fou. Mais c'est quand même des échelles hyper intéressantes pour essayer des choses rapidement et voilà, efficacement. Donc ça, c'est un petit office de tourisme qui se trouve dans les Hautes-Vosges, à Plainfin. Un petit office de tourisme avec tout un travail, toute une belle idée touristique. C'est-à-dire qu'ici, il y a la confiserie des Hautes-Vosges qui vend des bonbons et qui montre comment on fabrique des bonbons et qui accueille énormément de touristes tous les ans. Et l'idée simple, c'était d'avoir un office de tourisme juste en face pour que les 300 000 visiteurs par an qui viennent ici, on puisse les récupérer et leur donner envie d'aller visiter le territoire, les Vosges, et de prolonger leur séjour et d'aller voir d'autres choses. Donc, quand on a un programme comme ça, pour nous, c'est le contexte idéal pour convaincre la maîtrise d'ouvrage de faire un bâtiment qui soit très fortement démonstrateur des ressources locales et des savoir-faire. Donc, on a proposé ce bâtiment qui mise tout sur la pierre en extérieur. Donc, ici, on a des murs porteurs en pierre massive de grès rose, donc en extérieur, le parvis en grès rose. Et à l'intérieur, à la manière d'une poupée gigogne, on a la boîte intérieure, donc avec l'isolant, hein, parce qu'on a besoin d'isoler aussi. Donc, à l'intérieur, tout est en bois massif au maximum, pour créer le sol, les murs et tout l'aménagement intérieur. Donc voilà, une idée toute simple sur ce bâtiment. Et donc là, on voit l'aménagement intérieur avec donc, on n'a pas de placo dans ce bâtiment. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire autant que possible. Et ici, on a un habillage en planche, on a la charpente apparente, on a un sol en chêne. Voilà le plan. Alors, c'est aussi en faisant ce bâtiment, on s'est rendu compte que par exemple, sur le bois, ici, on a de la charpente. Ça vient d'une scierie particulière qui fournit surtout de la charpente. On a de la voliche, ça vient d'une autre scierie. On a du parquet en chêne, ça vient encore d'une autre scierie d'un autre endroit. On a de la menuiserie en mélèze, ça vient encore d'un autre endroit. Enfin voilà, on se rend compte que les composants en bois, ils sont que les scieries, il y a des nuances et que chacune a des spécificités et fournit des choses différentes. Donc ça, c'est le plan du bâtiment. Donc un système très simple avec une charpente chevron porteur, les blocs de pierre qui s'empilent et qui se réduisent ici pour permettre de poser la charpente. Aussi, une des choses qu'on a annoncé dès le départ au maître d'ouvrage, et d'ailleurs on s'en cache pas, on a travaillé dès le départ avec une carrière de grès rose pour travailler les prix, pour travailler toutes ces choses, et donc c'est eux qui ont répondu ensuite à l'appel d'offres. Donc, on a travaillé avec cette carrière, on est allé les voir comment ils travaillent, comprendre aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient nous fournir comme produit, quelle est la dimension maximale du bloc de pierre qu'ils pouvaient nous fournir. Et c'est comme ça qu'on a composé la dimension du module qui fait 1,40 m par 35 de haut et 35 de large ou 20 cm sur la partie haute. Et donc, pour parler de ressources et de territoire, c'est suite à ce travail aussi qu'on a fait cette première restitution où on a montré ça c'est les entreprises qui ont construit, donc ceux qui mettent en œuvre, et ici c'est ceux qui ont fourni,
donc les fournisseurs, et ici tous les fournisseurs de matériaux biosourcés. Donc le grès rose, il se trouve ici, donc ça c'est quand même des distances assez proches, hein. Le grès rose, il est là. Tous les points orange, c'est les différentes scieries qu'on fournit les composants. Et voilà. Et donc, au travers de cette carte, c'est ce qui nous a donné envie de faire la carte des ressources que je vous ai montrée un peu plus tôt pour identifier des fournisseurs. Et aussi, sur ce projet, on a découvert différents produits en pierre de grès, qui étaient capables de nous fournir cette petite scierie. Donc, le bloc de pierre massive, mais aussi le pavé fendu scié pour créer un parvis, et aussi la dalle pelliculaire de 4 cm d'épaisseur pour faire un sol. Donc voilà pour ce bâtiment. Alors ça, c'est un autre bâtiment à Épinal, c'est un concours perdu. Mais ça, c'était quand même une recherche qui a été aussi très importante. Alors le sujet était parfait. Les bureaux pour l'ONF et la Chambre d'agriculture des Vosges. Et donc, quand on a eu ce sujet-là, et il y avait aussi de leur part une volonté de s'inscrire dans une démarche bois local. Et donc, pour ce projet, nous, on a fait tout un projet où on essayait de faire en sorte que le maximum des composants soient issus des filières agricoles et forestières du département des Vosges. Et donc, on a essayé comme ça au maximum d'avoir cette strate. Donc, on a le bâtiment au milieu. On a les ressources autour, les ressources agricoles et forestières. Et ici, on a les composants constructifs qu'on produit avec ces matériaux. Et donc, il y a des nuances. Voilà, la charpente, elle est en épicéa. Les platelages de coursives, ils sont en pin. Les habillages intérieurs, ils sont en hêtre parce que les petites sections, ça marche bien. Le bardage extérieur en châtaignier. On utilise du grès rose pour faire des enduits ou des aménagements paysagers. Et on isole en botte de paille. Enfin, voilà. Ça nous permet aussi ici de comprendre les différents composants qu'on peut produire à partir d'un territoire. Et ici aussi, c'est très important, on a dessiné tous ces petits bonhommes. Et parce que tous ces petits bonhommes, c'est tous les emplois qu'un tel chantier peut créer, que ce soit au moment de l'exploitation, au moment de la fabrication des composants et aussi au moment de la mise en œuvre, bien sûr. Donc, ça, ce schéma, il est important parce que ça, c'est une démarche qu'on essaye d'avoir maintenant sur beaucoup de nos projets, quoi. C'est peut-être essayer à chaque fois de faire ce petit schéma et de voir ce qu'on va pouvoir inventer. Un autre bâtiment là, récemment livré, c'est une halle communale à Ancy-sur-Moselle, donc près de Metz, une commune aussi forestière qui a de nombreuses forêts. Un site en vraiment collé au village, mais un site assez beau, assez naturel en bordure de village. Et donc la halle qui vient se trouver ici. Il y a aussi sur tous ces bâtiments une attention au programme et aux usages, hein, bien sûr, et notamment sur celui-ci. Parce que cette halle, elle a vraiment un potentiel énorme. Et nous, on croit beaucoup que les halles communales, c'est un programme qui va se développer énormément en France. Et on le souhaite parce que ça peut abriter nombre d'occupations diverses, hein, que ce soit des occupations économiques, des occupations culturelles, des occupations sportives. Et donc, il y a tout un potentiel. Et aussi avec des bâtiments qui coûtent beaucoup moins cher qu'un bâtiment classique parce qu'on se contente d'une structure et d'une couverture et on peut être à un tiers du prix d'un bâtiment classique. Là, sur celle-ci, on était à 600 euros du mètre carré, donc, alors qu'il y a quand même un volume très important. Ça, c'est notre recherche constructive, structurelle. On avait mené très simplement des petites maquettes d'études sur le module, le tétraèdre du module, et ce module qui fait à la fois poteau et poutre et qui crée cette structure. Et donc, cette idée simple, donc avec des arêtes, une structure primaire et ensuite un habillage en planche qui vient fermer les faces des tétraèdres tout en les laissant transparents à 50% et qui vient créer cette structure. Donc, ça a très peu bougé finalement depuis les premières esquisses il y a 2 ans et demi. Les premières maquettes et la livraison du bâtiment. Et donc, on retrouve ce bâtiment qui était vraiment là aussi un vrai plaisir
un vrai plaisir plastique et un vrai plaisir expressif. On sait, le photographe a, donc avec le photographe, on a pris de très belles photos de ce bâtiment, de jour, de nuit, ce qui prouve bien qu'une des beautés les plus essentielles, c'est certainement celle d'une structure épurée et d'une structure qui raconte uniquement ce qu'elle soutient. Donc voilà. Et donc, on couvre avec une petite feuille de plastique. Oui, ce n'est pas du matériau biosourcé, mais c'est ce qu'on fait de plus économique et finalement de plus simple pour couvrir une structure, laisser la lumière traverser et avec très, très peu de volume de matière aussi. Donc voilà ce bâtiment. Et sur ce projet, on a fait une démarche bois local, donc très locale, parce qu'on a travaillé avec la Syrie et c'est avec la mairie qui a fourni elle-même du bois de sa commune, qui nous a permis de tailler non pas la charpente primaire, hein, vous l'avez compris, la charpente primaire c'est du lamellé collé, mais qui nous a permis de tailler tout. Toutes les planches, et donc c'est de l'as, et donc un habillage en pain noir. Et ça, c'est aussi un appel d'œuvre qui a été remporté par un charpentier du village, qui est installé dans le village. Donc c'est certainement aussi un hasard, hein, mais il a répondu à des prix concurrentiels. Et donc c'était vraiment une belle aventure que ce projet puisse être construit par l'entreprise d'Orambure et Paris dans le village. Voilà. Un autre projet, bon, je sais que je suis long, hein, que le temps passe vite, donc je vais les passer certainement un peu plus rapidement maintenant, ces projets. Ça, c'est le petit village. Donc là, j'ai toute la famille du côté de mon père. Ici, un petit village de 200 habitants pour faire un petit périscolaire et des petits logements communaux et réaménager les abords de l'église. Donc là, on a fait tout un travail qui se base sur deux matériaux, sur le Douglas local et les éléments en bois. Ce petit muret, là, les petits murets qui a prolongé ces murets de moellons avec des couvertines en grès rose, comme ça, on a prolongé ces murets qui viennent épouser la forme courbe de la parcelle et qui recréent, qui viennent vraiment intégrer ces bâtiments neufs sur ce site et les asseoir ces bâtiments bois sur ce site patrimonial. Donc voilà les espaces créés sur ce petit projet. Et les logements, donc là aussi, beaucoup de bois et une desserte par coursive qui offre aussi des terrasses. Ça, c'est trois logements, trois studios pour des étudiants, parce que dans ce village, il y a une école agricole, de formation agricole, et donc il y a des étudiants en apprentissage qui cherchent des petits studios, et donc la commune leur a permis d'avoir ces trois studios. Ici, c'est une maison médicale dans un autre endroit des Vosges, dans la plaine, territoire de Feuillus, et notamment Liffol-le-Grand, c'est un village particulier, c'est un village de menuisiers et d'ébénistes. Et à Liffol-le-Grand, il y a tout un savoir-faire autour d'un IGP, une appellation géographique protégée sur la chaise de Liffol-le-Grand, et un savoir-faire autour de la menuiserie en chaise. Et donc, nous, on rénove ce bâtiment-là qui se trouve au cœur du village, devant la mairie, et qui fait le lien entre la place ici et la mairie. Et donc, on a ce bâtiment qui va être traversant, avec une partie donc en mauvais état qui est démolie, et on conserve ici, on vient construire en bois ici. Donc là, on a fait notre première charpente aussi en chêne locale. C'était la première fois qu'on construisait en chêne. Et aussi, les ressources, pas seulement pour nous, c'est pas seulement les matériaux, mais c'est aussi des particularités culturelles, des choses, des motifs, des savoir-faire et et une esthétique qui existe aussi à certains endroits. Et donc, la chaise de Liffol-le-Grand, il y a tout ce savoir-faire autour du canage. C'est ce tressage,
âge. Et donc, nous, on a voulu réintérieur hein, pour qu'il soit bien protégé de la pluie. Et on a un grand vide central. Et donc, on vient faire des parois transparentes qui utilisent ce principe de canage et qui sont réalisées tout simplement en planches de sapin trois épaisseurs et qui reprennent ce motif. Donc ça, c'était petit détail, petit clin d'œil, mais ça prend une place très importante dans le projet et ça permet vraiment de familiariser un projet avec ses habitants, avec une culture, avec une histoire. Et voilà, on va bientôt livrer ce bâtiment et les éléments sont mis en œuvre. Voilà, un autre projet chantier en cours, c'est une maison. Alors là, on est à Gérardmer, Haute-Vosges. On est dans la montagne. Ça, c'est une belle maison en bois avec un budget plutôt correct pour des clients. Et ici, on fait référence au modèle traditionnel de la ferme, hein, qui est toujours implanté avec une volumétrie très massive comme ça. Le pignon face au paysage, la vallée. Et souvent, il y a une petite annexe à côté qui est un petit modèle d'huis et qui permet d'avoir d'autres éléments de travail agricole. Et donc, nous, on a repris un peu ce principe. Donc là, on voit le lac de Gérardmer qui est un lac magnifique. Et on voit la maison ici. Et ici, voilà l'annexe avec les garages pour la maison. Et ici, on a travaillé cette technique, ça nous permet de la découvrir, c'est la technique des tavaillons, des essis de bois pour couvrir le bâtiment. Voilà. À chaque fois, on est content de découvrir des techniques. Et ici, le sol est en pierre de Bourgogne. On essaye autant que possible maintenant de remplacer le placo par de la planche et de remplacer le carrelage par de la pierre. Voilà. Ça, c'est des choses assez simples. Le marché couvert de Saint-Dizier, celui-là, c'est aussi un bâtiment très important en ce moment pour nous. Donc, il est en chantier. Ici, c'est un travail autour de la pierre et là aussi autour du bel ouvrage, de la belle mise en œuvre. Tout part aussi d'une rencontre avec une entreprise qui s'appelle SNBR. Ça, c'est une entreprise fascinante qui se trouve à Troyes. C'est des gens passionnés, qui passionnés de la pierre, qui travaillent avec notamment Fallacara, qui est un architecte, ingénieur italien, et ils construisent des choses complètement innovantes en pierre massive, en pierre structurelle. Donc ça, c'est leur bâtiment. Et leur bâtiment, ils ont fait ce grand arc, donc le bâtiment des bureaux de SNBR à 100 km de Saint-Dizier, et ils ont fait un grand arc en pierre massive, comme ça, qui vient franchir, voilà. Et donc, à partir de là, nous, on s'est dit, enfin, quand on rencontre une entreprise comme ça, c'est précieux et on se dit, mais il y a ce savoir-faire qui existe sur notre territoire, il faut le mettre en œuvre, il faut l'exploiter. On peut faire un bâtiment public comme ça, il y a au moins une entreprise qui sera capable de répondre. Et donc, on a dessiné ce bâtiment avec ses façades, avec des arcs en pierre. Moi, j'étais aussi depuis longtemps vraiment fasciné par les techniques des arcs, des coupoles et des voûtes. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et là, on avait le projet parfait pour un marché couvert à cet endroit-là, avec un budget aussi relativement correct et confortable pour faire un bâtiment phare du renouveau du centre urbain de Saint-Dizier. Donc là, il y avait besoin aussi de faire un bâtiment emblématique de ça. Donc, voilà ce bâtiment, et avec des arcs qui franchissent 24 mètres ici. Un travail d'ingénierie avec, il faut le signaler, avec Jean-Marc Veil, le bureau CEE Ingénierie qui se trouve à Paris et qui sont des ingénieurs fabuleux qui s'intéressent à toutes les techniques de construction et qui aiment relever des défis. Donc ça, c'est la carrière de Meuse où on se fournit en pierre. Et voilà le modèle donc, du bâtiment avec chacun des blocs de pierre, avec ici une épaisseur de 60 et là une épaisseur de 40 sur les façades longues. Voilà les pierres découpées. Donc là, elles sont livrées sur le chantier. On va pas tarder à monter les premiers arcs. Donc ça va être très excitant. Et à l'intérieur de ce bâtiment, alors une charpente en bois
qui travaille aussi sur le principe de l'abri de Bertrichan en le décomposant sur une, comment dire, sur une grande surface, donc en multipliant les modules et les juxtaposant les uns à côté des autres. Mais malheureusement, on a été obligé de changer le projet. Donc ça c'est l'image de ce qu'on va réaliser, mais ça, ce n'est plus une charpente, c'est un habillage en chevron, c'est un habillage à claire-voie en chevron de bois pour cacher une charpente métallique très imposante parce qu'on a, on a eu des problèmes de sol sur ce projet, des caves souterraines protégées, et donc on n'a pas pu faire de poteaux intermédiaires. On est obligé de porter l'ensemble du bâtiment de façade à façade et on porte aussi le plancher bas. En fait, ce plancher bas, c'est un plancher acier-béton qui est suspendu, ça c'est des suspentes, qui est suspendu à la charpente du haut. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est un bâtiment qui s'est complexifié à notre grande tristesse sur la charpente intérieure. Et donc maintenant, on a une charpente métallique comme ça qui vient soutenir le plancher bas, tout le plancher bas, avec ses charges d'exploitation qui sont importantes. Et ensuite, ce plafond en chevron qui vient recréer, recréer le, un toit. Le gymnase Jean Lamour qui nous permet de poursuivre la question du, de la halle de Hancy, mais en se disant qu'on franchit 24 mètres ici aussi, mais sans la mêlée collée. Et donc, on a voulu travailler sur des charpentes triangulées qui utilisent du bois massif pour franchir ça. Donc, on assemble des éléments de bois qui font 6 mètres de long maximum et on franchit tout ça. Donc, ça, c'est aussi un chantier en cours. On est allé voir la semaine dernière le prototype et donc, on travaille sur, sur ça. Alors, c'est des sujets techniques quand même complexes pour réussir à, fait, à faire cette charpente qui va créer un maillage assez beau qui va envahir tout l'espace et qui va créer cette structure avec une travée tous les 2 mètres. Et aussi sur ce projet, on a fait évoluer, c'est-à-dire que sur les premiers dessins, on avait beaucoup de portes de placard blanches, de bancs qu'on avait dessinés en blanc sur nos perces. Et aujourd'hui, on essaye de faire un maximum en bois massif et non pas en panneaux, mais en planche de bois massif. Et donc ça, c'est comme ça qu'on va faire tous nos rangements, on va faire tout notre mobilier et ça, c'est l'extérieur. Bon, là, c'est… ouais, je prends beaucoup de temps. Hein. Florence, j'exagère ou quoi? Ou je continue encore un petit peu? 5 minutes. 5 minutes, OK. Ce projet-là, ben, on sort de notre région parce qu'on n'est pas non plus, comment dire, bloqué sur notre région. Enfin, notre région Lorraine, c'est celle qu'on connaît le mieux. Et c'est celle, c'est facile de travailler proche, on perd beaucoup moins de temps dans des déplacements, on peut prendre plus de temps pour aller dans les détails, mais parfois c'est intéressant aussi de sortir de, du territoire. Et ça, c'est une école à, près de Clermont-Ferrand, à Maringues, donc un concours qu'on a gagné, et c'est un gros groupe scolaire, maternel et primaire, qui vient se baser et qui a un plan très simple de cette manière, un peu à la manière d'un monastère avec les espaces communs au centre et les espaces plus individuels, donc des salles de classe en périphérie où chaque salle de classe a sa, son petit espace extérieur. Et ici, on travaille avec le bois pour les structures, avec la terre cuite, hein, on fait une grande toiture en tuiles de terre cuite et on travaille aussi sur la terre crue, hein, c'est un de nos premiers projets en terre crue où on a un grand mur intérieur en terre coulée. Après avoir étudié différentes solutions comme le pisé ou la brique de terre comprimée, on s'est orienté vers la terre coulée. Et donc ici, on utilise la terre du site, enfin la terre, non, pas forcément la terre du site, mais au moins la terre du village ou d'un village à côté pour faire nos, nos grands murs de terre coulée. Et ces murs de terre coulée, donc on, nous, on ne connaissait pas la technique. Et c'est nos confrères et amis de la frugalité heureuse Lorraine à Nancy, donc Mathieu Fuchs, milieu, c'est lui qui nous apprend et qui nous a beaucoup aidé, épaulé pour faire, pour pouvoir faire ce mur qui se trouve ici, ce mur en terre coulée qui va séparer les couloirs des salles de classe. Voilà. Et là, je crois que c'est le dernier projet, très rapidement. Alors là, c'est aussi, on n'est plus en Lorraine, on est en Angleterre.
parce que j'ai eu la chance d'être invité à exposer une maquette du petit bâtiment de plein fin, le petit bâtiment rond, à une expo qui s'est tenue à Londres il y a un an et demi, une expo qui s'appelle The New Stone Age, le nouvel âge de pierre, donc sur le renouveau de la construction en pierre massive, avec en tant que commissaire, donc un commissariat avec un architecte, un ingénieur et une entreprise. Et l'entreprise s'appelle The Stone Masonry Company. Et cette entreprise, elle est assez fascinante. Il se trouve donc à côté de Londres. Et ce sont des Français, des compagnons tailleurs de pierre qui sont installés en Angleterre et qui ont aujourd'hui une entreprise où ils sont une trentaine. Et ils réalisent des escaliers extrêmement complexes en pierre. Et aujourd'hui, ils développent aussi la filière construction en pierre massive de plus grande envergure. C'est eux notamment qui ont construit un bâtiment assez célèbre avec Aminta, architecte à Londres, un immeuble de logement en pierre massive. Enfin bref. Et donc, quand on va à cette expo, sur le parvis, ils avaient mis ça en œuvre. Et ça, c'est un truc, donc c'est une technique qu'ils maîtrisent aujourd'hui très bien. C'est de la pierre post-contrainte. Donc, c'est des petits blocs de pierre, comme celui-ci, là, vous voyez là, avec trois petits trous. Donc, ils mettent les blocs de pierre les uns au bout des autres et ensuite, ils mettent des câbles qui traversent tout ça et ils mettent en tension. Et donc, ça nous crée une poutre qui réussit à porter sur de très grandes dimensions. Et ensuite, on peut vraiment créer des systèmes porteurs. Donc, ça c'est aussi vachement intéressant parce qu'une recherche comme ça, ça nous permet d'aller dans un sens d'économie de matière, donc d'utiliser la pierre avec une économie de matière en le faisant collaborer avec de petites quantités d'acier, les câbles en acier, mais ça nous permet de diminuer les quantités. Et donc, il y a un bâtiment qu'ils vont réaliser où ils ont, et donc on le travaille ensemble, c'est pour eux. Ils vont étendre leur entreprise pour faire un bâtiment supplémentaire d'atelier et on va créer ces portiques de pierre post-contrainte avec les poteaux, les poutres et tout ça est en pierre post-contrainte. Et ça, c'est vraiment une belle aventure. Au début, ils sont venus me chercher pour la question des parois, des panneaux d'habillage en bois isolé qui vont habiller ces portiques. Et petit à petit, on en est venu à redessiner ensemble les portiques pour qu'ils soient plus fins. Donc, on travaille aussi avec Steve Webb, qui est un ingénieur aussi génial, qui se trouve à Londres et qui n'a peur de rien. Et avec cet ingénieur, donc on a retravaillé le portique. Donc, les pièces ici qui étaient en acier, aujourd'hui, elles sont en pierre. Donc, ça, c'est de la pierre de granit parce qu'on a des efforts importants dans les angles, dans les reins, dans les rotules. Et ici, on a de la pierre de calcaire sur les parties courantes. Ici, on a une pierre de granit. Et donc, on arrive à faire des portiques de cette manière. Je crois qu'on a des poutres qui font 50 cm de haut pour porter 10 mètres. Donc, on est au 20e de la portée, ce qui prouve qu'on est quasiment plus performant que du béton. Enfin, je pense qu'on est plus performant que du béton. Et donc, voilà, je trouve que c'est une aventure géniale parce qu'on n'est plus sur notre territoire à Nancy, on n'est plus en Lorraine, mais il y a cette idée de rencontrer ceux qui maîtrisent des techniques et avec qui on peut développer des solutions techniques qui vont pouvoir ensuite être déclinées sur différents territoires avec des ressources. Hein. Chacun pourra utiliser sa pierre, du granit, du grès. Mais donc, on va pouvoir développer ces techniques et poursuivre, développer ces nouvelles techniques qui permettent d'économiser de la pierre. Et je pense que là, sur la pierre aussi, il y a besoin de multiplier les écritures et les manières de construire. Voilà, bon, j'arrête là, j'ai été beaucoup trop long déjà et je vais laisser un peu de la place pour échanger suite à ce projet. Voilà, et je m'excuse aussi parce que je sais que je parle vite et j'espère que je n'ai pas été trop saoulant. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Alors, on a plusieurs types de questions, mais peut-être que, est-ce que finalement... Derrière, tu dis, on a pris cette entreprise locale, on a pris cette carrière, mais il y a quand même, derrière ce qui paraît être simple dans les phrases, même dit en plus rapidement, est-ce qu'il y a quand même une démarche assez importante qui prend une certaine place dans le projet?
déjà d'aller repérer les matériaux, de repérer aussi les entreprises, mais après d'arriver à convaincre de travailler avec. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de toute cette démarche qui fait partie du projet et qui est soutenue quand même par un engagement, parce que ça prend du temps. Oui, j'avoue que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Déjà d'utiliser des matériaux biosourcés, on le sait que, on sait que c'est pas simple. Enfin, les choses évoluent, hein. Le bois aujourd'hui, ça devient simple. Mais aujourd'hui, utiliser de la pierre, utiliser de la terre crue, c'est quand même à chaque fois un gros travail pour convaincre un maître d'ouvrage, qu'il soit privé ou public. Et ensuite, comment dire? Aller encore plus loin et demander à ce que cette ressource soit géosourcée, ça c'est encore une fois une complexité qui est difficile à mettre en œuvre, qui peut occasionner des surcoûts. Ça peut occasionner des surcoûts, mais c'est pas systématique. On peut aussi aller chercher des solutions qui peuvent être dans des coûts classiques. Donc, il faut aussi fouiller, il faut aussi apprendre à connaître ses matériaux, apprendre à connaître ses carrières. Et petit à petit, on découvre que la pierre pelliculaire, ça peut être aussi très intéressant et être à des coûts corrects. On commence à connaître que telle carrière fabrique du pavé de grès rose, et que ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un béton désactivé, finalement, de faire un parvis en pavé de grès. On commence à découvrir, voilà, toutes ces choses. Donc il faut arpenter le territoire, mais c'est aussi progressivement, à force de faire des projets, voilà, les discussions qu'on a sur les chantiers avec les entreprises, avec les fournisseurs, parce qu'on discute du chantier, mais on discute toujours d'autres solutions. C'est toujours l'occasion de se dire, mais tiens, et si on avait fait comme ça, est-ce que ça aurait été possible? Est-ce que ça aurait été plus cher? Et vous, est-ce que vous maîtrisez cette technique? Et donc, petit à petit, on fait évoluer tout ça. Mais ça demande en effet du temps. Aujourd'hui, les automatismes et les conventions, l'architecture conventionnelle, c'est une architecture qui se base sur des composants industrialisés. Et donc, aujourd'hui, pour toutes les entreprises, il faut réapprendre à travailler avec les ressources locales. C'est vrai que là, il y a tout un travail à faire qui est important. Et en fait, là, tu nous as parlé du matériau, tu as parlé de l'entreprise, et quels sont tes arguments vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage? J'ai un peu abordé ça au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Il y a déjà lui donner envie d'une certaine de quelque chose de raffiné. Il faut faire comprendre au client qu'il y a une notion de rusticité, mais il y a aussi une notion de raffinement, où on peut donc parler de sa maison un peu comme on parle d'un plat de cuisine, quoi. Quand on amène son plat et qu'on dit, regardez ces asperges, c'est ma voisine qui me les a données, elle les fait pousser dans le jardin. Voyez ces tomates, ça vient du petit maraîcher bio qui s'est installé à côté. Et en fait, toutes les histoires qui vont autour des composants, des ressources, des ingrédients, je pense qu'il faut s'approprier ce discours et donner envie et faire d'un bâtiment tout un récit autour de ses composants et de l'histoire de ses composants. Donc il y a ça. Il y a aussi la démarche notamment auprès des maîtres d'ouvrage publics autour du développement économique local. Le soutien aux entreprises locales, ça c'est quelque chose quand même qui parle beaucoup aux maires, aux communes, aux communautés d'agglomération. Donc je pense qu'il faut vraiment aller dans cet axe et leur parler de tout ça. Ils y sont sensibles. Ils sont parfois, quand on explique que orienté sur un bâtiment à 2,4 millions, comme par exemple le gymnase Jean Lamour, on a fait cette démarche où on a demandé aux entreprises de s'engager sur des fournitures locales à l'appel d'offres. Enfin, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais on leur a demandé aussi de nous donner les prix d'achat de leurs composants en fourniture locale. On atteignait, sur un bâtiment à 2,4 millions, on atteignait 600 000 euros. 600 000 euros, donc, d'argent qui aurait été habituellement injecté en fourniture. Hein, je parle juste en fourniture. Quand
qui auraient été injectés dans des filières industrielles avec des multiples intermédiaires, des plateformes de revente, je ne sais quoi. Et aujourd'hui, ça vient directement au consommateur, enfin au producteur. Donc du producteur au consommateur, ça aussi, on est dans le discours de l'agriculture, mais on peut adapter ce discours aussi au milieu de la construction et du bâtiment. Et tu vois l'avenir comment de la profession d'architecte par rapport à ces... Tu verrais quelle projection par rapport à ta démarche? J'ai l'impression, quand je regarde la production des architectes, quand je regarde les magazines d'architecture, tout ce qui se diffuse, alors je suis peut-être dans des réseaux, peut-être pas dans les réseaux de tout le monde, mais quand je vois tout ça, ça me donne quand même confiance et je trouve que c'est assez motivant de voir un peu tout cet élan et tout cet intérêt pour le bien construire de cette manière, biosourcé, géosourcé. Mais quand je me balade avec ma voiture et que je vois les bâtiments se construire, les bâtiments de logement, les bâtiments industriels, les bâtiments pour des bureaux, là je suis un peu, je suis beaucoup plus sceptique. En fait, j'ai l'impression que les architectes, déjà la plupart de la construction nous échappe, donc on n'a pas notre mot à dire sur tout ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a quand même un rôle d'avant-garde, un rôle d'influenceur, les architectes, et qu'on se doit de faire les choses du mieux possible et qu'on peut influencer aussi nos confrères, mais aussi des entreprises, des constructeurs et leur donner envie de faire de cette manière. Mais après, ce qui peut me donner un peu d'espoir, c'est je pense qu'il faudra des actions politiques fortes, hein, et des actions politiques fortes, et ça passera certainement par des taxes, tout simplement, par des taxes sur la construction qui aujourd'hui est polluante et ne crée pas d'emplois. Donc il faudrait taxer sur ces manières de construire du bâtiment et réinjecter l'argent pour soutenir une filière plus propre, plus saine et plus raisonnée, quoi. Merci. Donc, l'architecte exemplaire, finalement, quand tu fais le bien commun, c'est aussi une manière de diffuser. Quand tu mets en partage des plans, certains de tes projets, c'est une manière de diffuser aussi auprès de tes collègues et d'avoir des architectures qui deviennent un peu comme des signaux. Oui, c'est ça. Alors, ça continue dans cette logique commerciale et d'industrialisation systématique et de l'importance des brevets. Enfin, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment réagir, cette volonté toujours de breveter, que chaque avancée soit brevetée et que des choses de bien commun soient aujourd'hui attribuées à des brevets commerciaux. Ça me met hors de moi. Et c'est pour ça que je défends l'idée aussi de ne pas avoir besoin de ces brevets. Par exemple, la pierre agrafée sur des bâtiments, on est obligé d'aller chercher une quincaillerie en inox extrêmement chère, d'aller chercher chez des fournisseurs toute cette quincaillerie. Et en fait, que ce soit sur un bâtiment en béton ou en bois, cette idée de prendre une plaque de pierre et de la mettre, de la serrer dans un cadre avec des grosses pare-closes, des gros montants en bois, c'est vraiment une recherche que je trouve tellement évidente, tu vois, qui permet de ne plus être soumis à ces brevets ailleurs, de faire des choses plus robustes et de faire des choses à coût beaucoup moins élevé. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Quand on partage latex de vos couleurs, c'est pour que cette petite recherche ciblée puisse avoir des suites, mais c'est aussi pour donner envie peut-être à d'autres de faire des démarches un peu similaires de recherche autour d'autres sujets et de partager ça pour recréer une culture commune constructive. Est-ce que tu penses qu'en fait ta démarche elle est en phase avec la demande sociale? C'est une des questions qui sont posées.
Je la comprends pas bien, la question. Est-ce que tu penses que ta démarche, ton approche est aussi en phase, n'appartient peut-être pas uniquement aux architectes, mais aussi à une demande? Une demande de la part de maîtres d'ouvrage, une demande de la société aussi. L'usage de Oui. matériaux locaux, tout ça. Je crois qu'il y a une demande, il y a une demande évidente et forte, mais on est tous, comment dire, on est tous façonnés par notre environnement, par toutes les communications, les publicités, les manières de faire qu'il y a autour de nous. Donc aujourd'hui, on a tous on a tous pris de très mauvaises habitudes sur les manières de faire, de construire. On le voit avec les entreprises, hein. C'est très dur de leur faire différemment parce que quand ils ont une habitude, ils ne veulent pas en sortir. Et ils ont certainement des agents commerciaux qui viennent leur vendre le CLT, leur vendre d'autres composants et qui le font très bien et qui leur donnent tous les arguments. Très bien raconté pour leur donner envie de faire comme ça et leur faire croire que c'est la seule solution, la meilleure solution. Donc, c'est à nous de raconter un discours inverse en étant aussi convaincant. Mais je pense que fondamentalement, oui, socialement, les gens ont envie de retrouver ça, oui. Les gens ont envie de retrouver plus de frugalité, plus de simplicité, d'authenticité dans leur manière de vivre et ça passe par leur manière d'habiter aussi et de construire. Bonsoir, Je vais laisser Christophe. la parole à Ivan. Ouais. Ivan, justement, je rebondis sur la question de la frugalité. J'avais écouté la conférence qui avait été rediffusée au Pavillon National avec justement Philippe Pallet qui avait fait en introduction la redéfinition de ce qu'il appelait lui la frugalité, et il avait ajouté le mot heureuse. Et effectivement, dans l'architecture que tu développes, on peut reconnaître en plus de cette frugalité, c'est-à-dire cette culture de l'optimisation ou de la recherche optimale de l'utilisation de la matière à travers les différents projets que tu as pu développer, mais d'en faire aussi quelque chose de savoureux sur le plan architectural, comme on pourrait le penser aussi sur le plan culinaire. Il y a un appétit à vouloir faire de l'architecture qui réjouit les sens et qui réjouit l'intellect aussi, qui réjouit l'expérience de l'espace, de la forme, et qui optimise du coup tout un rapport de matériaux, au savoir-faire, voire qui cultive une démarche de créativité, de recherche, d'innovation permanente pour être constamment dans l'action plutôt que dans la réaction, et peut-être pour lutter aussi contre l'abêtissement consumériste dont tu parles, à la fois sur le construire comme sur le nourrir. Et du coup, je trouve qu'il y a, alors c'est une question un peu longue, mais il y a quand même, à travers ta démarche, une stratégie presque implicite qui semble être démontrée dans l'exposé que tu as pu faire, qui part du territoire et des ressources en faisant un bilan très très précis, justement, des moyens et des matériaux qui sont présents sur site, des acteurs qui sont là pour faire, et quelque part, une sorte de, entre guillemets, d'utopie engagée pour changer les horizons du construire et de l'espace au quotidien, et faire de l'architecture innovante ou rétro-innovante et en même temps vernaculaire, mais qui appelle à des appétits, à des expériences multiples, qu'elles soient relationnelles, esthétiques, plastiques, constructives. Donc moi, je trouve ça assez fascinant. Et la place de la géométrie aussi dans le raisonnement du module pour qu'après, il se déploie dans l'espace. Enfin, je trouve qu'il semblerait qu'il y a quand même une stratégie plus qu'intuitive qui t'amène à avoir une démarche aussi large, quoi. Et une production aussi riche, tant bien même elle est frugale. Donc, je me demande finalement quel conseil tu pourrais donner à nos jeunes étudiants en architecture par rapport à ça. Je te remercie pour ta question et tes commentaires qui me semblent assez justes et qui me plaisent dans ton jugement.
Alors, la question de la frugalité heureuse, voilà, ce terme heureux, il est important, il est très important, parce que si c'est pas ça, ça veut dire que c'est une démarche d'austérité. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça, le grand virage, il est là. Soit on se fait une sobriété austère, soit on se fait une frugalité heureuse, quoi. Et je pense qu'il faut que tout ça, on ait envie de le faire et qu'on soit curieux de ça et confiant sur le fait que ça va améliorer et ça va vraiment, on va vivre mieux, quoi. Ce sera plus, ça peut être bien plus subtil et bien plus vrai dans notre manière de vivre et d'habiter. Ça fait référence bien sûr aussi hein, à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi hein, et y a plein de choses très, très similaires et quand tu dis l'appétit, moi j'avoue que j'ai une curiosité, un appétit sur chacun des projets et chacun des sujets qu'on peut travailler avec cette méthode, cette stratégie dont tu parles. C'est vrai qu'aujourd'hui on a, avec cette méthode qui permet de se dire quels sont les composants à un endroit, quel est mon programme, comment je simplifie mon programme, comment je détermine une structure sympa. Enfin, on cherche toujours une structure sympa sur les bâtiments. Comment je mélange ça, comment je rentre dans une économie correcte. Et toujours à partir du moment où on mélange ces questions-là, il y a toujours une réponse sympa à extraire, quoi. Donc, je pense que dans ces stratégies et ces méthodes, c'est vraiment très, très prolixe et très, ça ouvre beaucoup de voies. Donc, je ne peux que conseiller, c'est ma manière, je ne peux que conseiller aux étudiants de s'intéresser aux ressources, mais aussi aux cultures d'un lieu, aux symboles, parler avec les anciens, parler avec le maire de la commune. Souvent, les maires sont des gens qui connaissent bien, qui sont passionnés par leur village, par ce qui se passe autour. Et donc, là, il y a des choses à faire. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Et aussi, on peut avoir l'impression que se limiter aux matériaux géosourcés et biosourcés, voilà, ça limite le champ des possibles et les possibilités de mise en œuvre. Parce que moi, quand on a commencé à aller en agence il y a 15 ans, dans les agences, il y avait des grandes étagères avec tous les fournisseurs, là, tous les fournisseurs de produits. Il y en avait, mais des mètres linéaires, des types de membranes, des types de bacs acier, des types de sol, plein de matériaux comme ça. Et tout ça, moi, ça me foutait le bourdon et ça me semblait énorme. Et je me disais toujours, j'arriverai jamais à connaître tous ces trucs. Si je veux faire un bâtiment innovant et que je veux connaître tous ces produits, j'y arriverai jamais. Et en fait, le fait de réduire déjà aux matériaux, à des matériaux sains qui nous intéressent, les biosourcés, eh ben déjà, ça nous permet de mieux connaître, de se limiter à ces composants. Et une fois qu'on se limite à cela, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire qu'on peut les connaître dans tous les détails. Il y a plein de choses à apprendre. Et aussi, ça ouvre un champ de possibles énorme. Et on le voit aussi dans ces revues d'architecture en ce moment. Il y a continuellement des architectes en ce moment qui nous réinventent des choses magnifiques avec cette nouvelle manière de construire, quoi. Épuré, plus frugal. Oui, c'est ça. Oui. Oui, justement, dans cette idée de générosité et de partage de ta culture constructive avec les acteurs du territoire, est-ce qu'aujourd'hui tu orientes tes choix de conception de manière à pouvoir construire avec les usagers, la population, de manière à les sensibiliser ou à. Tu as parlé de la terre crue, par exemple, de la paille. Je le fais peut-être pas assez, c'est-à-dire c'est cette question de l'autoconstruction, de construction participative, de chantier participatif, que ça c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant. Je manque de temps
pour bien travailler tout ça. Enfin, on l'a fait sur le préau de Bertrichamps. On a l'intention de le faire sur l'école de Maringue. On a des murs en béton de site. On a des murs intérieurs en terre coulée. On aimerait bien, oui, faire une fête du village où les gens viennent découvrir comment on fait du béton de site et de la terre coulée, faire des petits ateliers avec les enfants où on fabrique des petites choses, des petits objets en terre coulée pour qu'ils comprennent cette technique, ou du petit béton de site où on mélange des cailloux et un liant, et voilà. Donc, il y a toujours ces intentions, donc on va le faire sur certains projets. Après, ça demande du temps, hein, aussi, le chantier participatif, l'encadrement de tout ça. J'aimerais le faire plus, on le fait autant qu'on peut, mais j'ai d'autres confrères qui le font beaucoup plus, et je suis très admiratif de ça, et je pense aussi que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Et peut-être que dans notre équipe, on devrait aussi intégrer des associés ou des partenaires qui font ça, qui prennent plus de temps pour faire ça, pour le développer davantage. Ouais. Et dans cette démarche justement de l'entreprise, est-ce que vous avez intégré une démarche de recherche, sous forme de contrat-cifre ou d'autres types de démarches? On a essayé, j'ai demandé à ma comptable comment on pourrait faire avoir un contrat cifre ou faire un crédit d'impôt recherche. Ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouvrir une antenne R&D à l'agence. Et en fait, ça m'a fatigué d'avance. Ça paraissait très compliqué. Au moins pour le crédit impôt recherche. Après, un contrat cifre, c'est quelque chose qu'on pourrait quand même étudier davantage. Il y a 3-4 ans, on était sur le point d'en créer un sur le sujet du bois. Et puis économiquement, c'était pas l'extase à l'agence et on a décidé tous ensemble que c'était pas le bon moment. Donc, il faudrait peut-être se reposer la question maintenant. Mais je pense que on ne nous aide pas assez là-dessus. On ne nous aide pas assez, les architectes, pour travailler sur de la recherche et du développement en agence d'architecture. Et il faudrait le faire un peu plus. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu penses que tes échelles de projet pourraient être plus importantes pour que tu puisses continuer à développer ta démarche? Est-ce que l'échelle est une condition pour développer ta démarche ou est-ce qu'au contraire, tu pourrais passer à des échelles plus importantes et justement amplifier Oui, je pense que c'est possible de passer à des échelles plus importantes. L'école de Maringue, c'est 6 millions d'euros déjà, hein, le gros groupe scolaire. Donc là aussi, on est dans quelque chose qui est vraiment plus important pour nous. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les petits projets, c'est qu'au lieu d'avoir 3 gros projets, je peux avoir 9 petits projets. Et ça me permet de travailler plus de recherche et de plus de contextes différents. C'est aussi de la boulimie et de la curiosité, hein, de multiplier les petits projets parce qu'à chaque fois, il y a cette idée de « Ok, ça va être rapide. » Et c'est vrai, l'Office de tourisme de Plein-Fin, ça a duré un an et demi, 9 mois d'études, 9 mois de chantier. C'est génial pour faire un petit bâtiment comme ça. L'école de Maringue, ça va nous prendre 3 ans et demi. Donc quelque part, j'aime bien aussi les petits projets parce que ça permet d'aller vite et d'appliquer une recherche et de la construire, hein, parce que tant qu'une idée n'est pas construite, pour moi, elle n'est pas valable, elle n'est pas prouvée. Donc, les petits projets, ça a cet intérêt-là. Mais non, on peut innover à plus grande échelle. Hein. D'ailleurs, c'est plus facile de faire des ATEX sur des plus gros bâtiments parce qu'on a une plus grosse masse d'honoraires, de budget. L'ATEX, il coûte 15 000 euros quand on est sur un bâtiment à 1 million ou un bâtiment à 10 millions. Donc, c'est forcément plus facile aussi sur des gros.
Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cette présentation, pour toutes ces réponses aux questions, tous ces échanges. Et puis, je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont posé les questions. Et puis, vous dire qu'on se retrouve le 10 mai avec Emmanuelle Bonneau, qui est, elle sera plutôt à Bordeaux. Voilà. Donc, on parcourt toute la France, mine de rien. Et on espère surtout pouvoir t'accueillir à Marseille, en vrai. Voilà. On dira que quand tu disais qu'une idée n'avait de sens que si elle était construite, on va dire qu'une rencontre n'aura de sens que si c'est en vrai. Voilà. Et surtout, moi je dirais rencontrer l'architecte, mais surtout aller visiter les bâtiments. Voilà. Parce que la visio nous frustre de ne pas rencontrer les personnes, mais l'architecture, c'est aussi des rencontres de bâtiments et ce n'est pas simplement les images sur les magazines. C'est donc, il y a de quoi faire dans la région, il y a un beau tour à faire, voilà, sans aller dans des villes très éloignées, puisqu'on a un peu de difficulté à sortir de la France. On a beaucoup de beaux projets à visiter. Et donc là, tu nous as donné un beau programme à faire du côté de Nancy. Voilà, ça sera dans les deux sens. Peut-être tu nous verras et surtout, on espère qu'on te verra aussi. Okay, merci à tout le monde. Merci beaucoup, c'était un plaisir vraiment d'être là et de pouvoir parler de tout ça. Et bonne continuation à tout le monde, aux étudiants. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Bientôt. Merci, Christophe. Au revoir. Merci. 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 Florence, t'es encore là? Oui, je suis encore là.